restez à l'écoute pour de prochains développements. Salut YouTube, de retour sur Redoute. On va faire la quête, l'épreuve du feu. Avant de faire le choix du nucléaire. Oh, désolé. Je croyais que vous étiez avec cet arrêt de la forge, mais vous n'avez pas de brûlure. Ils ont pris la vieille aciérie et ils tirent à vue dès qu'ils voient quelqu'un. Je fais partie des miliciens. Dites-moi ce qui s'est passé. Je pourrais peut-être vous aider. Mince alors. Je m'attendais pas à ce que quelqu'un vienne. Jack, mon crétin de fils, il a fugué au beau milieu de la nuit pour aller les retrouver. Il a fauché la vieille épée de mon grand-père au passage. C'est le seul truc qui me reste de lui. Si vous faites vraiment partie des miliciens et que vous voulez m'aider, ma foi, j'aimerais bien que vous me rapportiez cette épée. Je la trouverai. Vous me rendez un fier service. Je vous revaudrai ça, c'est promis. Sogus Ironbox. Thank you.
Putain, mais... C'est quoi ce bruit? Non, il y a personne. On va s'éclater. Collectionner les cochonneries maintenant. Nick, viens là, viens là. Hé, vous avez besoin de quelque chose? On a peur. Vous pensez pouvoir débloquer ce terminal? Impossible. Aucun signe. Les défenses habituelles sont toujours actives. Ce qui veut sûrement dire... Bingo! Sûrement un terminal quelque part. Merde, c'était quoi ça?
faire quelque chose pour vous? Faites ce que vous pouvez. C'est un bon plan. Tu crois pouvoir te planquer? On est de retour sur Fallout. Le jeu, il a crash. Hey, allez-y. Ah, mais pousse-toi. Comme protocole. C'est ouvert. Ah, là, là. Aucun signe. Oulo. S'il essaye de filer, tue-le. Tu dois être balèze pour avoir réussi à venir jusqu'ici. Oh, il a coupé la tête avec une épée. Un ramassis de pillards qui joue avec le feu. Vous rigolez? La plupart d'entre eux auraient jamais été dignes de la forge, de toute façon. Tu vois, Jake? Ça, c'est quelqu'un qui me fait pas perdre mon temps. Pas comme toi. Ils vont me tuer. Mais je vous ai apporté tout ce que vous m'avez demandé. Voler des bibelots dans la ferme de ses parents, ça prouve pas grand-chose, gamin. Encore que... la jolie épée que tu m'as rapportée te donne droit à une dernière chance de prouver ce que tu vaux.
Tue-moi ce prisonnier, histoire de montrer que t'es pas totalement inutile. Vous avez dit qu'on attaquerait de l'autre côté de la frontière. Ces gens-là, ils sont pas dangereux. Prouve-moi que t'es capable de tuer. C'est lui ou toi. Eh merde. Qu'est-ce que je dois faire? Va-t'en, Jake. Rien ne t'oblige à faire ça. Je vous en prie, laissez-moi partir. Alors, vous avez raison. Je veux pas faire ça. Je veux pas faire partie de la forge. Je veux juste rentrer chez moi. J'espère que vous avez un ouvre-boîte sous la main. Jake. Je vais compter jusqu'à 3. 1. À l'aide. 2. 3. Ah merde! J'ai explosé l'hôtel! Oh, il a mangé la grenade! Il a explosé! Oh, attends, je recommence, allez! Charger la sauvegarde! En fait, je voulais t'as tué le boss avec une grenade, mais la grenade a tué le boss. Tu dois être balèze pour avoir réussi à venir jusqu'ici. Ramassez le pire. La plupart d'entre eux. Tu vois, Jake, ils vont me tuer. Voler des bibelots dans la ferme de ces... Okay. Encore que... Tue-moi ce prisonnier. Vous avez dit. Prouve-moi que t'es capable. Eh merde. Va-t'en, Jake. Rien... Je vous en prie, laissez-moi partir. Alors, vous avez raison. Je veux pas faire ça. Je veux pas faire partie de la forge. Je veux juste rentrer chez moi. C'est ta dernière chance. Salut. Merci beaucoup. J'ai bien cru que j'allais vous connaître. Clé du toit flambeur. T45B. Wow, 86 sur le pistolet. Ouais, il est pareil lui, 86. Parfait.
Allez-y. Voilà ce que j'ai. Oh, la petite figurine. Figurine explosif. C'est bien ça. Attendez, je suis désolé, j'ai merdé, j'ai paniqué. C'est toujours un plaisir. Je sais pas ce qui m'a pris de vouloir les rejoindre. Écoutez, je devrais sans doute rentrer chez moi pour m'excuser. C'est sûrement beaucoup demandé, mais si vous êtes là quand il faudra que je m'explique, ça facilitera les choses avec mon père. Je parie que si vous lui rapportez l'épée de mon arrière-grand-père, il vous donnera une récompense. Il est toujours honnête avec les gens. Je vous attends au pont, près de la ferme. Poste des coups de bravo. Hey, vous avez besoin de quelque chose? Faites ce que vous pouvez. C'est comme si c'était fait. Désolé, ça va pas le faire.
Bon, j'ai compris, je pirate le terminal. Et puis il a pas envie de le faire. Ça y est. Soit c'est une dégâts l'arme. Ok. Bien. Ah oui, ça rigole pas là.
Arrête de chausser. Bon. Qu'est-ce que... Jack, je t'avais prévenu que si tu remettais les pieds ici, je... Jack est revenu ? Hein ? Jack est revenu ? Ah, ça me soulage. Papa, arrête. Je sais que j'ai merdé. Croyais pouvoir les empêcher de s'en prendre à notre ferme ? Si je me joignais à eux, je voulais faire de mal à personne. Je me fous de ce que tu croyais. Je t'ai dit et redis. Abraham, Francis Finch, ça suffit. Maman, je... Tais-toi, Jack. Si j'en entends encore un dire quoi que ce soit, je vous mets de corvée de patates pour toute l'année prochaine. Ça fait des années que j'assiste à vos prises de bec et que j'essaie d'arrondir les angles à votre place. Abraham, ton fils est un homme. Et si tu veux qu'il agisse en homme, arrête de le traiter comme un enfant. Jack, ton père et moi, on sait à quel point la vie peut être dangereuse dehors. On veut être sûr que tu es prêt, c'est tout. Voilà. Maintenant, si l'un de vous remet ça sur le tapis, ça va barder, je vous préviens. Elle a raison, j'ai été stupide. Je ne vous remercierai jamais assez. Tenez, les capsules comme convenu, avec une prime pour avoir aidé mon gamin. Vous devriez garder cette épée. Ça aurait fait plaisir à mon grand-père de savoir qu'elle sert encore à sauver des vies. À partir de maintenant, je vais aider les gens. Je veux juste échanger quelques trucs. Bien sûr. Je peux vous débarrasser. On peut pas de gueule. Daniel, j'ai vraiment marché dans le crottin de Bramine cette fois. Pendant que maman et toi étiez partis à Bunker Hill, on s'est vraiment expliqué, papa et moi. Ouais, je sais. En quoi c'était différent des autres jours ? Je sais pas. Mais cette fois, on n'a pas pris de gants, ni l'un ni l'autre. Je lui ai dit que j'allais rejoindre la forge à la scierie. Et tu connais papa. Aucun fils d'Abraham Finch ne sera jamais un minable de pillard. En ce qui me concerne, tu es déjà mort. J'ai pris l'épée de papy parce que je savais que ça le ferait chier. Mais maintenant que je suis là, je sais plus trop. Je commence à me dire qu'il avait peut-être raison sur ces types. Ils arrêtaient pas de me dire que si je les rejoignais, ils m'apprendraient à être fort. Et je sais pas. Ils ont des prisonniers. Je veux juste rentrer à la maison. Je suis tout oui. J'en ai. Du tissu. Du tissu. Thank you.
Tout ce que vous voulez. Ça va, on occuperait qu'on devrait s'habituer entre tous les autres trucs plus importants pour faire tourner cette ferme. Voilà, bon, c'est bien, c'est good.